Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoolo Mike. Et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Fortnite Battle Royale. Sur le mode sauver le monde. Fuck les rageux, je m'en bats les couilles, je dis que c'est Battle Royale, qu'est-ce qui se passe? Je dis ce que je veux, c'est ma vidéo, ok? Allez, merci, ciao, peace, non je rigole. Alors c'est parti, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on peut dupliquer des nocturnos en illimité, des fossoyeurs en illimité, des bazookas en illimité, tout ce que vous voulez. C'est une autre solution alternative. Voilà, on va tout dupliquer, ok? C'est une solution alternative à l'autre glitch. Mais dans cette solution, dans ce glitch là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donner autant d'items que vous voulez. Et vous pouvez bien sûr dupliquer les armes. Et ça, c'est l'avantage que sur l'autre glitch, on ne peut pas dupliquer les armes. Alors d'abord, il faut que je fasse de la place. Donc regardez, tellement que je suis un thug life, je vais déposer 3 armes, 3 nocturnos. Et je vais tout simplement quitter la partie. Voilà, on va quitter la partie. Vas-y, quitte la partie, Johnny. Ça, on montre bien que nous... Ah ouais, bah ok, vas-y, je quitte la partie. Hop, vous avez bien vu que les 3 nocturnos, elles sont toujours là. On est des Tog Live, on les jette parce qu'en fait, c'est super facile de dupliquer. Bon, après, il faut comprendre la technique. Si vous comprenez bien la technique, vous allez pouvoir faire des échanges à tous les coups. Mais la technique est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une question de timing. Il faut que vraiment le compte à rebours, vous allez faire un compte à rebours. Donc genre 3, 2, 1, 0, à 0, il faut que vous quittiez tous les deux la partie. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Satori. Parce que c'est Satori qui me l'a expliqué hier. Et je mettrai sa chaîne en description. Alors ce que je vous demanderai, c'est une personne qui n'a pas de vidéo, enfin qui a rendu toutes ses vidéos en privé. Il n'a pas de vidéo, il a 8500 abonnés. Donc ce qui serait bien, c'est que vous vous abonnez à sa chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça lui ferait extrêmement plaisir. Surtout que c'est lui qui a trouvé cette façon de dupliquer les armes. Donc un grand merci à lui et pour le remercier, ben, abonnez-vous à sa chaîne. Alors je fais une grosse dédicace à Johnny34 aussi qui m'aide à réaliser cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube aussi, vous abonner. Alors merci à tous ceux qui le feront, merci pour votre soutien. Alors tout simplement, maintenant on va commencer le glitch. Donc moi je suis l'hôte, je vais mettre l'hôte Johnny. Donc pour mettre l'hôte Johnny je dois faire comme ça, ok. Alors, nommé chef, voilà. Et en fait, c'est l'autre qui reçoit les armes. Donc, dans l'autre glitch, c'est l'autre qui donne les armes. Et dans ce glitch-là, c'est l'autre qui reçoit les armes. Mais très important, il faut que vous alliez dans le bouclier de la anti-tempête de Villeplanche. C'est important. Et il y a un endroit exact où aller. Si vous vous placez pas à cet endroit-là, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est un glitch un petit peu plus compliqué. Mais il fonctionne très très bien et si quand vous avez capté comment ça fonctionne, vous allez y arriver à tous les coups et vous pouvez donner tous vos items d'un coup. Donc voilà, il n'y a pas une limitation de 10 items, vous pouvez même envoyer toutes vos armes, tout est duplicable autant que vous voulez. Donc nous, moi je vais donner là je vais donner 10 nocturnos à Johnny parce qu'il a fait 10 places dans son inventaire et puis lui il va me donner 3 nocturnos parce que j'ai fait 3 places dans mon inventaire, ok. Donc Johnny, juste une petite précision. En fait, quand je vais te donner les 10 armes, je vais te les déposer par terre. T'es pas obligé de les ramasser directement parce que Satori, il les ramassait pas directement, tu vois, instant. Mais quand je vais quitter le truc, je vais me mettre sur quitter partie. Et là, je vais commencer le décompte. Et il faudra que toi aussi, tu sois sur quitter partie, quoi, tu vois. Et puis après, je fais à 0, on quitte tous les deux, tu vois. Il faut vraiment qu'à 0, on quitte tous les deux et normalement, ça marchera. Alors, première chose à savoir, c'est que il faut aller à un endroit bien précis. Regardez la map, comment je pourrais dire. On va dire que c'est vers la case 13E, ok. Donc, vous voyez 13E, le petit carré. Donc, moi, je me repère via la carte, donc je vais vers la gauche. Donc, je vous laisse même la carte, comme ça, vous voyez à peu près par où je passe. Voilà. Voilà, je vous la remettrai après. Donc, ici, il y a une grosse colline et on va passer en dessous de la colline. Donc, comme s'il y avait un pont, voilà, on passe en dessous du pont. Et après ici il y a des marches et il faut se mettre exactement là-haut. Donc le donneur il se met ici. Donc, vous voyez, on va dire il se met ici. Là où je frappe, ok. Et le receveur il se met ici. Donc après les positions sont approximatives, hein, mais normalement ça devrait marcher. Vous mettez comme ça, donc l'hôte
il se met ici où il y a Johnny. Et celui qui est invité, le donneur, il se met ici où je suis. Alors tout simplement, là maintenant, je vais donner 10 nocturnos. C'est 10 nocturnos que tu as besoin. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, tu ramasses tout. Dis-moi quand t'es dans quitter. Ok, je calcule. Donc 3, 2, 1, 0. Voilà, et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc moi, je vais pas avoir perdu mes 10 nocturnos, je les aurais pas perdus. Lui, il les aura. Et ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous ne pouvez jamais perdre quelque chose parce qu'en fait, ben, l'autre, comme vous le donnez à l'autre de la partie, eh ben, il récupérera quoi qu'il arrive vos armes. Donc vous ne perdez rien. Vous voyez, sauf si bien sûr il a pas assez de place dans son stock pour prendre toutes les armes que vous avez déposées. Mais sinon vous ne perdrez rien. Alors maintenant, sac à dos, verdict. Regardez, 147 sur 150. Donc ça a bien fonctionné, ok. Alors maintenant on va faire dans le chemin inverse. Normalement ça devrait fonctionner nickel. Il faut savoir qu'on l'a fait 3 fois le glitch. 3 fois. On l'a fait 3 fois hier, moi et Johnny, et ça a fonctionné nickel. Donc, au début on a failli 3 fois. Enfin 2 fois. Et puis la 3e fois on a compris, mais voilà. En tout le cas, c'était assez simple quand même. Alors maintenant, c'est lui l'hôte. Donc c'est lui qui choisit. Donc je répète, hein, il faut bien choisir dans ville planche. Ah non, c'est moi qui choisis. Ah ouais, c'est moi qui choisis. Donc voilà, il faut bien aller dans ville planche. Puis bouclier anti-tempête de ville planche. Et là, vous attendez le chargement. Le chargement est super long. Alors en attendant que le chargement se fasse, je tiens à faire une grosse dédicace à Satori et à Johnny34. Je mettrai leur chaîne en description. Donc s'il vous plaît, soutenez-les et abonnez-vous à leur chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages dans mon ancienne vidéo, je m'en bats les couilles, ok? Tous les rageux, je m'en bats les couilles. Il y en a un aussi, un youtubeur qui a 55k. Lui, il m'a perturbé un peu. Il m'a traité de... Comment il a dit? Je suis un... Ouais, je suis une pourriture. Je suis une pourriture parce que je dis bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, sauver le monde. Bah voilà, tu vois, moi je dis ce que j'ai envie et on me traite de pourriture parce que j'ai dit ça et parce que je présente un glitch. C'est bon quoi, tu vois. Le type, ça fait 1 an qu'il est sur YouTube. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Je galère à monter. Lui, il a monté grâce à Fortnite. Il a monté à 55k et il commence à m'insulter. Franchement, les youtubeurs comme ça, j'espère que tu verras cette vidéo. Tu m'as vraiment déçu. Franchement, tu m'as déçu. Moi, j'aurais préféré que tu me dises bonjour, ce que tu penses de ce que j'ai dit. Tu m'expliques les choses au calme et pas m'insulter comme tu l'as fait. Enfin, franchement, j'ai vu des commentaires, franchement, dans mon ancienne vidéo. Franchement, pff, laisse tomber. Je regarde même pas. Je les supprime même pas. Je les laisse là. Et puis, voilà, parlez si vous voulez. Et amusez-vous si vous voulez. Mais voilà quoi. Vous me faites juste pitié hein, à m'insulter comme gratuitement. Et je pourris aucun jeu, ok? Le jeu que je pourris, c'est... Le mien que je suis en train de pourrir, ok? Mais c'est vous qui avez le choix. Soit vous pourrissez votre jeu et vous dupliquez comme nous on le fait. Ou soit ben, vous jouez légit, hein. Moi je vous force pas de tricher. Je vous force pas, je vous ai pas mis un couteau sur la gorge pour tricher, ok? Enfin bref. Bon, moi je vous présente juste le glitch, ok? Je vous relaye l'information, ok? Alors maintenant, c'est moi qui est receveur. Donc Johnny va me donner ses 3 armes. Les 3 nocturnos, soleillantes si possible. Et me dire, Johnny, tu sais que les soleillantes, je t'ai donné toutes les soleillantes que j'avais, hein. Après, je t'ai donné les diaphanites, là. Ouais, donc tu peux me donner tes le 3 soleillantes, c'est tout, ouais. Voilà, donc là, je les prends. Maintenant, je suis prêt à quitter et c'est toi et je fais le compte à rebours, ok? Donc, 3, 2, 1, 0. Ouais, je fais le compte à rebours. Comme vous l'entendez pas, je le fais, tu vois, à la place. Mais de toute façon, c'est pareil. Donc, il y en a un des deux qui fait le compte à rebours, ça fonctionne. Donc, j'espère, Johnny, que t'as réussi, hein. On va bien voir, de toute façon. De toute façon, au pire, moi, je les ai, hein, toi. Si maintenant, vous êtes file, ben, vous lui rendez ses armes, quoi, tout simplement. Ok, donc Johnny, c'est bon. En fait, l'astuce, c'est de se mettre à l'emplacement dans ville planche et de quitter en même temps et donner à l'hôte, ok? Maintenant, c'est l'hôte qui reçoit. Voilà, c'est l'hôte qui reçoit et c'est pas l'hôte qui donne. En même temps, la petite feinte, quand je t'invite chez moi, je vais pas encore te donner des cadeaux. Quand je t'invite chez moi, c'est à toi de me donner des cadeaux. Donc, c'est l'hôte qui reçoit. Ok? Vous avez capté? Voilà. Petite parenthèse. Donc, moi, je vais montrer tout simplement mon arsenal. Et voilà, j'ai bien mes 150 sur 150. J'ai bien reçu mes 3 nocturnos. Et voilà. Alors, j'espère que cette vidéo
vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube et dépasser les 50K pour que je fasse mon spécial Master Cool. Ce serait vraiment insane. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes qui seront en description. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.